coucou, c'est les successeurs de Disney. Donc on espère que vous allez bien, encore une fois. Ouais, on espère que vous allez bien parce que nous on va bien et on est pressé parce que c'est quelque chose qu'on nous a proposé depuis très longtemps et que j'avais évité de regarder, mais c'est très tentant. Ouais. Donc ce sont les affiches Disney reproduites comme si c'était réel. Par Michael Nozinich, ou Nozinich, excusez-nous pour la prononciation, comme on aime le dire. Et c'est parti, nous commençons tout de suite avec La Belle et le Cochon. Attends, c'est trop fort. Ça casse le rêve, j'adore. Dommage qu'ils n'ont pas mis le... Ils n'ont pas mis derrière. Ouais, ils n'ont pas mis... comment il s'appelle? Luigi. Luigi ou Mario. C'est même pas ça, j'ai oublié, c'est au Bellanoté, j'ai oublié son nom. Mais c'est bien Luigi. Je sais. À moins que Luigi ce soit l'autre. Oui, je sais plus. Bref. Mais c'est pas un coquier normalement, Lady? Mais si, mais c'est bien un coquier ça. Ah oui, mais c'est juste que j'ai eu un coquier et moi il avait pas du tout cette tête. Mais parce qu'il y a des coquers qui sont... Bon, oui, il y a différentes traces, ouais bien sûr. Le clochard, la tronche. Mais sinon c'est vachement joli. Ils sont en mode déprime. Dites-nous toujours quel est votre préféré en commentaire et surtout lequel vous aimeriez bien voir, parce que maintenant on le sait et là ça va peut-être être prémonitoire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de films qui sont réadaptés en live, comme vous le savez, La Belle et la Bête, Maléfique, La Livre de la Jungle, etc. Ah, La Belle et le Clochard, ce serait trop fun. Bah justement, voilà, et c'est vrai que ça serait marrant. Mais tu sais quoi, ce film m'a toujours donné envie de bouffer, hein, quand je les vois bouffer, les spaghettis. Et bah, l'affiche me donne envie de bouffer aussi. Donc c'est bon, c'est bien réussi. C'est vrai que c'est pas mal, j'aime, il est bien fait. Hein. Suivant. Oh. Oh. Tu vois une Pumba et Mufasa. Oh, c'est trop fort. Ah, j'aime bien. Par contre, j'aurais pas mis Rafiki juste derrière. Ouais, oh ouais, ça fait un peu sombre, ça fait méchant. J'adore Nala. Ah, il y a des girafes aussi en bas de lui. Ouais. Et bah ça, pour le coup, ça va très bientôt devenir réalité. Mais voilà, oui. Et puis, il y avait déjà aussi, d'ailleurs, une série... Il n'y avait pas un truc sur Disney Channel, Disney, non, un truc spécial animaux. Dans Disney Nature, Disney, tout ça. Disney Nature, ouais, un truc comme ça. Bah, ils ont fait pas mal de petites choses, donc c'est pas impossible qu'ils ont fait. Il y a un film avec des visages, des têtes de lion. Ah oui, non, c'est pas impossible. Hein. Sauvage. Sympa, je sais. Ouais, sauvage, ça, c'est le parfum de Johnny Depp. Ouais. On voit très mal Timon au niveau des fesses. Mais de ouais. Pumba. Ils auraient pu le mettre un peu. Ouais. Mais sinon, elle, bah, c'est bien. J'aime bien. Et du coup, toujours pressé de voir un film comme ça? Ah bah oui. Mais faut pas qu'il le gâche, hein. Ouais, je m'étonne. Suivant. Oh. J'adore Coda. Qu'est-ce qu'il fout sur la tronche? Le truc improbable. Bah, sur le dessin animé, ça passe. Mais oui. Pourquoi pas? Ah ouais, il pourrait être beau en film, lui. Ouais. Ah ouais, il pourrait être très beau. C'est sûr. Les deux élans. Par contre, je vois pas trop ce que c'est les trucs verts qu'il y a à côté. Enfin, en dessous des élans et des mouchons. C'est censé cacher pour ça faire un effet. Un peu verdure. Et voilà, de l'herbe, des arbres, c'est pas... On dirait de la guimauve, en fait. Ou de ouais, la voilà, gélatine. Oh. Oh, il y a Pampan. Il y a Fleur. Avec une fleur. J'adore. Et le papillon qui change tout. Et le grand prince des forêts. Ouais, par contre lui. Ah si, bah si, j'allais dire, qu'est-ce qu'il fout là? On sait s'il est là. Le grand prince des forêts, ouais, j'aime bien. C'est juste que c'est marrant parce que j'imagine bien, il faudrait les imprimer et les mettre à la place des jaquettes des dessins animés. En fait. Ça fait un peu, on dirait, une pub qu'il y a où genre la... Tu vas rire. Tu vois le chasseur Parlez-vous. Français? Non. Chasse et pêche, un truc comme ça. Oui. Ou pour un magazine, tu sais. Voilà, non, mais... j'ai l'impression de voir un magazine de chasse. Bon, il y a la fiche est très jolie. Suivant. Ah. Mon dieu. Toi, t'aimes pas les requins. Ah. Je te laisse la décrire. Ah, il est beau. Ah, c'est vachement bien. Non, non, c'est super concept parce que t'as Sydney en fond. Oui. Cache les requins. T'as oui. Sydney en fond, t'as un pélican. Ouais. Et après, t'as les requins avec des tortues. Non, c'est super bien reproduit. À part que là, il y a moins de poissons. Enfin, c'est regardé, oui. Il y a des poissons en fond, mais on distingue pas trop les poissons. Ça va, je me suis habitué, c'est bon, je peux regarder. Il y a même les méduses qui sont super jolies. Ah ouais. Ah, mais moi, un film comme ça, ça me fait peur. On dirait pas un film pour enfants. Les dents de la merde. Oh mon dieu. Avec Nemo et. Par contre, j'arrive pas à voir ce que c'est ça. C'est un petit. Ça doit être lui. Ah!
ce poisson-là. Comment il s'appelle, je sais plus. J'ai oublié son nom. Je l'ai vu la dernière fois, il y a tellement longtemps aussi. Bah, avant d'aller voir le monde de Dory. Oh Oh non, c'est trop magnifique. C'est trop génial. Ça fait à la fois vide et à la fois, c'est tellement ça. Bah oui. Donc, il s'agit de l'affiche d'Oliver et compagnie. Alors, avec un Jack Russell. Un chat. Un bulldog et la chienne, je sais pas la race que c'est. Non, 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 mais c'est très très joli. Un chien avec les poils très très longs. Et Tito. Tito dans la poubelle, un chihuahua dans la poubelle. C'est excellent, j'adore. C'est énorme. Hein. Et pour le coup, lui, en vrai film. Eh ben, ça rappellera un peu, tu sais, l'incroyable voyage. Ouais, exactement. Avec les musiques. Ah, ouais. Les musiques de ce Disney aussi. La première musique. Il était une fois. Mais toutes les musiques sont cool, hein. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y en a aucune qui est chantée entièrement par Oliver. Si tu réfléchis. Mm. Parce que c'est le narrateur qui chante à New York City. Ouais. Après, c'est. Il y a Rita qui en chante une. Ah oui, bah tu vois. Il y a Georgette qui en chante une. Ah oui, qu'Oliver qui en chante pas. J'avais jamais réalisé. Pourtant, on a fait un Disney épisode et j'avais pas vraiment réalisé qu'il chantait rien. Mm. Genre. Oh, il doit dire une phrase là-dedans. Ah oui, oui, mais une phrase. Mais... Oh, oh mais c'est trop chou. J'imaginais pas Crookie était cette race de chien. Je voyais un cocker aussi, non? Non, c'est pas un cocker, c'est un chien. Lui, pour le coup, c'est vraiment un chien de chasse. Mais ouais, c'est la même race que lui, là. Ben, je sais pas, ça me... Je le voyais pas comme ça, mais peut-être. Tu as vu les oreilles qu'il a, je sais pas. Parce qu'il a des oreilles très très grandes. Mais ça aussi en peut-être film. Qu'ils ont pas trouvé de chien. Ça aussi en film, je voudrais bien. Sauf s'ils nous mettent la mamie qui pleure et non. Non merci. C'est bien, c'est beau. Pardon. Non, y a rien de spécial. Oh, oh trop classe. Ah, il est trop magnifique. Ils sont mignons. Par contre, Duchesse a des yeux très bizarres. Bah très bleus. Mais oui, mais on a l'impression qu'elle a. J'adore Omalée. T-shirt de. Ah oui, tu m'étonnes. J'adore les trois chatons. Ouais. Mais pourquoi ils ont pas mis les colliers aux chatons? Ils ont juste mis une Marie. Mais ouais, là aussi, ça serait excellent. Ils sont choux, ceux d'en bas aussi, le chat. Mais oui. Le si à moi qui. Ça serait excellent qu'il fasse un film comme ça. O'Malley, il a un nœud papillon, mais trois fois trop grand pour lui. Ah bah, c'est dur de trouver. Voilà. Hein. L'affiche est cool. C'est vachement bien pensé comme. Ouais. J'adore. Sérieusement, ouais. Oh, hé, hey, attention, il arrive celui-là. Timothée. Le pire, c'est que je vois bien Tim Burton. Celui-là, il arrive vraiment, hein. Timothée, il est à fond. La plume magique. Timothée, je le trouve trop mignon. Et du coup, Dumbo, il me fait peur. Oui. un truc en papier mâché. Non mais c'est génial, mais mais Timothée me fait... Ça peut faire un peu psyché, mais bon, quand on sait que ça va être fait par Tim Burton, pourquoi pas. Oui. Je suis pressé de voir ça quand même. Ah, une autre version du monde de Nemo. C'est le monde de Dory, pardon. Donc du coup, il y a la tortue, il y a tous les poissons qui correspondent. Il y a le requin baleine. Ouais. Tu vois, il y a le poulpe. Ouais, et ben les personnages principaux, sur l'autre affiche aussi j'ai remarqué, ouais. Dory et Nemo, ils sont pas de face. Ouais. Là, Dory, elle est de dos. Le poulpe, il est de dos. Nemo, bon, c'est un poisson clown. Mais ils sont pas face à nous, Warmer, en fait. Marin et Nemo. Sur l'affiche du monde de Nemo, pareil. Alors, est-ce qu'ils ont pas trouvé un poisson? Ouais, bien sûr. Voilà, j'imagine que ça devait être dur d'intégrer un vrai poisson. Bien sûr. Et voilà. Quel était votre préféré? Franchement, moi, il y a tout. Ah, Jules. Vous pouvez pas me le dire. Dites-le nous en commentaire en tout cas. On va attendre longtemps, hein. Alors dis tout. Ça fait un peu Dora. Alors dites-nous. Est-ce que tu vois je sais même pas quoi. Est-ce que tu vois la montagne? Alors? Est-ce que tu vois la montagne? Est-ce que tu vois la montagne? Est-ce que tu vois princesse? Où elle est? Bip. Donc voilà, dites-nous en commentaire quel a été votre préféré. Moi, et... Bambi, Oliver et compagnie, les Aristochats. J'aime bien les Aristochats. Et lequel vous voudriez voir en film, sauf Dumbo et tout ça, qui bien sûr est vraiment. Bah voilà, sauf les films annoncés, mais franchement, ils donnent tous. Ils sont vachement bien pensés, ouais. Tous, hein, et ils donnent envie d'être vus. Donc bravo beaucoup à toi, Michael Nozinik. Si un jour tu tombes ici, comme vous. Il y en a quelques-uns qui nous ont trouvés, qui nous ont remerciés et tout, c'est vachement cool de votre part. Franchement, ouais. Fan art très très sympa. Ouais, sérieusement, ouais. Et voilà, gros bisous. Salut. À tous.